Eh bien salut à tous les amis, c'est BeBoyBlock974, dernière vidéo de cette petite série de tournage. Parce que oui, pas de la série Clash Royale, t'inquiète pas frérot, mais juste cette petite série de tournage. Donc on repart toujours à Arène 3 avec tout ton bloc et la sorcière du cancer. Alors le dernier épisode, faudrait que je le renomme sorcière du cancer. La sorcière du cancer, d'accord. Alors là, il m'a envoyé une sorcière, mais moi, je vais lui envoyer des barbares. Et la sorcière, elle va mourir, cette pute. Ah ouais, les sorcières, moi, je les aime pas. Moi, je les aime pas, je vais balancer ma mousquetaire parce que il y a un bébé dragon devant. Ça va jouer à distance avec la Valkyrie. Le bébé dragon compte son bébé dragon et compte ma mousquetaire. Donc, son bébé dragon se fait défoncer. De l'autre côté, je vais envoyer mon chevaucheur de cochon, mais j'ai déconné. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, le prince a pris un peu plus de temps. Et ça va me permettre de mettre mon armée de squelettes pour défoncer son prince. Mais bien entendu, ce bâtard, il joue avec Futa Gobelin. Futa Gobelin. Putain de cancer. Et heureusement que j'ai deux squelettes qui sont revenus pour protéger. Futa Gobelin, c'est de la merde. Je vous le dis comme c'est. Futa Gobelin, c'est de la merde. Donc là, je vais envoyer mes barbares contre sa sorcière. En espérant que mes barbares vont réussir à faire le tac. Putain, en plus il a le fusilleur ce bâtard. Et mes barbares n'ont servi à rien. Mais mon chevalier va buter sa sorcière. Excusez-moi. Là je vais envoyer mousquetaire. Si je suis intelligent, je vais envoyer mini dragon. Donc là c'est bien, je suis intelligent. Non, je suis totalement... Oh bah si, ça va. Si je suis pas si débile que ça. Mais là, je vais très clairement perdre ma tour. Je vais perdre ma tour. Mais lui aussi, il va perdre sa tour. Donc, une tour contre une tour, j'ai envie de te dire, le ratio est pas si mal. Et il va perdre son prince. Et voilà, là ça va jouer, ça va jouer difficilement. Ouh, t'as vu ça, comment j'ai affolé, là? J'ai failli mettre ma sorcière dans son piège. Hein. Là, ça allait pas très bien, là. Là, ça allait pas très bien, madame. Hein. Là, ça allait pas bien du tout. Je vais envoyer mes barbares. J'aurais pas dû faire ça. Mais je l'ai fait quand même. Mais ouais. Mais j'aurais pas dû faire ça. J'ai envoyé mes sapeurs. J'ai envoyé une sorcière de l'autre côté. Ma mousquetaire va se faire défoncer. Je vais envoyer mon armée de squelettes. Je vais envoyer ma sorcière du cancer. Je vais envoyer des barbares pour détruire son prince et un chevalier. Donc faut faire attention au chasseur de l'autre côté. Hein. Je pense que c'est chasseur. Chasseur de cochons en plus, je suis sûr. Donc j'ai envoyé encore des sapeurs. Alors ces gobelins ont servi à complètement à rien. Donc là il a été un peu con. Et là je vais être gourmand. Et là je vais être très gourmand. Et je pense que ça va me porter préjudice. Cette gourmandise va me porter préjudice. Mais il s'affole, hein, il s'affole. Donc là, je suis quand même. Je fais quand même attention. Il va envoyer son futa gobelin. Moi, je vais envoyer des sapeurs qui vont faire mal. Donc, je vais défendre avec mon armée de squelettes. Je vais envoyer aussi un chevalier et un chevaucheur de cochon de l'autre côté. Donc là c'est intéressant parce que l'aggro est sur ma mousquetaire et mes squelettes vont aller attaquer. Et regardez sa tour centrale, ça fait très mal, il lui reste 40 points de vie. Je vais envoyer des squelettes pour attaquer, je vais envoyer des sapeurs derrière mes squelettes. Et là ça va être terminé. Victoire de Tonton Bloc. À cause des sorcières de l'amour, des sorcières de l'amour bien entendu. Et voilà, c'était très beau combat, très beau combat. Ton bloc, oh putain, c'est quoi son nom? Koagamerud Rule. Koagamerud Rule. Koagamerud Rule. Koagamerud Rule. Koagamerud Rule. Koagamerud Rule. Koagamerud. Koagamerud Rule. Koagamerud Rule. Putain de merde, c'est quoi ce pseudo de fils de chien hein? J'ai envoyé mes barbares, j'ai envoyé un cochon. Et ce bâtard, il joue avec les canons. Les canons, c'est de la merde, c'est cancer, les canons.
C'est cancer, les canons, c'est cancer. De toute façon, avec moi, qu'est-ce qui n'est pas cancer? Bah, les béliers. Bah oui, parce que moi, je suis bélier, je suis pas cancer. Oh, Scud, blague de merde, tonton bloc, incroyable. Sorcière versus sorcière. Le cancer versus le cancer. Le chevalier de Pégase versus le chevalier de Pégase avec l'armée de squelettes qui va contregarer le fut à gobelins. Les gobelins sont morts, les gobelins sont oxy. Et là, bien entendu, le canon, il va essayer de gérer compondre l'armée de squelettes et l'armée de squelettes va se faire défoncer par le canon. C'est cancer, ça. Ah, je suis tombé sur un mec, il est cancer. Je vous le dis tout de suite. Il est totalement cancer. Il joue avec canon déjà. Que les merdes qui jouent avec canon. Après, ça se trouve, canon c'est bien. C'est moi qui a pas compris encore le potentiel du canon. Donc peut-être si canon c'est bien et que toi tu joues à Clash Royale et que t'es un pro. Donc déjà, rejoins mon clan Otakuren. Et explique-moi pourquoi canon c'est bien. Parce que moi je trouve que canon c'est cancer. Tu vois. Donc voilà, là ça va faire mal. Les sapeurs, les barbares, le dragon. Ça va faire mal, là je vais prendre, bim, ça prend la tour, et il peut être cancer comme il veut ce fils de pute, je lui ai quand même pris sa tour. Et mon dragon qui va continuer à faire le taf, mon dragon qui est chaud, et là j'envoie un autre dragon avec des sorcières, je suis un bâtard, je suis dans le game en claquette, j'aime le dire. Et voilà, et j'envoie des squelettes comme un gros bâtard. Et j'envoie une mousquetaire, je le laisse même pas essayer d'avoir ma tour parce que je suis un fumier. J'envoie de l'autre côté un chevalier, il va essayer d'envoyer un chevaucheur de cochon. Mais je vais me dire, allez vas-y Toto, je te laisse prendre ma tour parce que là tu fais pitié quand même un petit peu. Je vais te laisser prendre ma tour Toto, bim, bim, le sapeur qui fait mal. Et là il a une tour, que ça va pas bien. Il a sa tour centrale. Sa tour du roi, où ça va pas bien non plus. Mais faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit hein, dans le game. Donc là, j'ai réussi à niquer la sorcière, donc ça c'est bien. Je vais prendre une tour, et ça va être victoire de Tonton Bloc. Je n'ai pas réussi à prendre la tour royale, mais ça va quand même être victoire de Tonton Bloc. Victoire de Tonton Bloc, donc voilà, vidéo de moins de 10 minutes, donc tu partages, tu likes, tu t'abonnes, tu commences, oui, le quadripack. Et surtout, tu me dis, mon frérot, si t'as kiffé la vidéo, parce que ça, c'est avec le cœur que je te le fais, cette vidéo, c'est avec la puissance, c'est avec l'âme, c'est avec le... Voilà, t'as compris les bails. Donc c'était Bloc, je te remercie. Et on se dit à la prochaine, à demain, mon frère, parce que nous, c'est tous les jours sur cette chaîne. À demain, c'était Bloc, et je te dis...